Couture. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសហគមន៍ការនិងផ្ដល់វិធានការជូនទៅតំណាងតាប្រាជ្ញាអន្តរជាតិដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះអសសីរំនេះសូមជើញ Merci, Monsieur le Président. Alors, deux petites questions par rapport à ce que vous avez dit avant la pause, avant d'aborder un nouveau sujet. Vous aviez dit que, concernant les paysans qui habitaient à Phnom Penh, ils savaient où aller, ils sont partis, ils ont été évacués vers leur village. Mais concernant les gens qui étaient originaires de Phnom Penh, que devaient-ils faire alors? Où devaient-ils aller s'ils ne savaient pas exactement où aller? Monsieur le Président, ថាអ្នកចាស់នៅមូលដ្ឋានចាស់មានតួនាទីទទួលអ្នកថ្មីហើយអ្នកថ្មីនោះមិនបានកំណត់រើសអើងថាស្រុកភូមិឃុំនៅណាទេឲ្យទៅចំចំណុចណាចំណុចនោះទទួលខុសត្រូវទទួលបាទ Monsieur le témoin, vous avez dit être entré à Phnom Penh le 17 avril 1975 en provenance du secteur 15 de la zone spéciale. Combien de temps êtes-vous resté à Phnom Penh après la libération de Phnom Penh? Mong phi tận đáp nhau chi mô tô tà lò mô vinh mà đơn đồng bọn nọc răng vinh hát bán đây nơi cổng thông vinh vậy Quand vous êtes reparti à moto le soir, est-ce qu'il y avait déjà de longues files de personnes qui se dirigeaient vers Oudon, qui évacuait déjà la ville? Je suis venu à la ville. Est-ce que les gens qui étaient sur cette route avaient l'air heureux de quitter Phnom Penh? Ou bien est-ce que c'était difficile pour eux de le faire? សច្ចធម៌អ្នកដែលបោះបង់ភូមិកំណើតឬបោះបង់ផ្ទះសម្បែងចេញមិនសុវ័យទេតែសង្គ្រាមហើយមានការអំពាវនាវអញ្ចឹងតាមមើលគេទៅតាមនឹងទៅបាទ Je voudrais maintenant revenir à vos fonctions comme chargé de propagande et d'endoctrinement. Vous avez dit que vous aviez exercé un certain temps à Siem Reap et qu'ensuite
vous avez exercé la même fonction dans le secteur 15 de la zone spéciale et ensuite dans le secteur 32 de la zone ouest où vous étiez le responsable de la propagande. Est-ce qu'on peut dire que vous avez acquis beaucoup d'expérience dans le domaine de la propagande et de l'endoctrinement des masses? ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនវត្តពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមានតែត្រឹមថាចេះចងក្រងជាធ្លាឃ្លោងនាំដើមខ្លឹមសារចង់បានប៉ុណ្ណឹងតែត្រង់ក្រៅវិញនឹងទៀតលទ្ធផលអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំនឹងគេទទួលបានប្រមាណគេយកទៅអនុវត្តប្រមាណខ្ញុំមិនដឹងដែរមិនច្បាស់លាស់ដែរ Mais tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous deviez accomplir vos tâches de propagande auprès de la population pour les convaincre de soutenir le mouvement. J'avais cru comprendre que vous étiez en contact direct avec la population et non pas seulement à travers des écrits. Est-ce que c'est correct? បាទហ្នឹងគេហៅថាឃោសនាអប់រំហ្នឹងគេមានកន្លែងគេហើយប្រធានភូមិឬអ្នកទទួលត្រូវផ្នែកមួយគេនាំកម្លាំងគេមកប្រមូលផ្ដុំកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះចន្លោះហ្នឹងយើងអប់រំយើងស្គាល់អ្នកហ្នឹងពេលដែលសម្រាក់ Lorsque vous accomplissiez vos tâches en tant que responsable pour la propagande, est-ce que vous deviez durant les sessions, etc., durant vos contacts avec la population, vous deviez toujours respecter les principes, les lignes politiques et stratégiques fondamentales du parti? មេគៀនោះគេមិនបានចែងថាធ្វើអីធ្វើអីទេតែបើលើកជាខ្លឹមសារថាបង្កបង្កើនផលឧបត្ថម្ភខ្លួនហ្នឹងគេហៅថាមេគៀដែលគេដកស្រង់ថាឲ្យប្រជាជនហ្នឹងខំរកស៊ីខ្លួនឯងឧបត្ថម្ភខ្លួនឯងហើយឧបត្ថម្ភសមរភូមិផងហ្នឹងបានយល់បានប៉ុណ្ណឹងរួចហើយការពារសន្តិសុខខ្លួនឯង ជីត្រង់សេជីអីអញ្ចឹងទៅនឹងជាខ្លឹមសារដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាច្បាស់ជាគេដកស្រង់ពីគោលនយោបាយឬមេគីអញ្ចឹងហើយតែឲ្យយល់ជ្រៅថាមេគីយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចវែងឆ្ងាយទៅទៀតខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំយល់បានប៉ុណ្ណឹងបាទ Est-ce que après 1975, vous deviez donc toujours donner des informations vraies aux masses lors des contacts que vous aviez avec ces masses? Est-ce que c'est correct de dire cela? Dans l'accomplissement de vos fonctions, il était, je pense, important de ne pas donner de mauvaises informations aux masses, et donc de savoir ce que
le parti attendait que vous disiez aux masses chaque fois que vous les rencontriez. Est-ce que c'est correct de dire ça? ឆ្លងតាមអ្នកពំនាំមកផ្សព្វផ្សាយបន្តគឺខ្ញុំត្រូវតែអនុវត្តតាមនឹងបានអត់មានអីនិយាយលើសនិយាយខ្វះអីក្រៅពីអ្នកពំនាំយកមកឲ្យខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយទេដូច្នេះខ្ញុំគ្មានអីលាក់លៀមចំពោះមហាជនប្រជាជនទេដឹងបណ្ណាយល់បណ្ណាបញ្ជាក់ជូនបណ្ណាបាន Est-ce qu'il y avait un certain nombre de documents que vous deviez étudier en tant que membre du parti, en tant que cadre du parti, et aussi parce que vous deviez donner un message particulier aux masses? Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de documents que vous aviez à votre disposition comme référence dans le cadre de votre travail dans la propagande? ការងារជាឃោសនិកអប់រំរបស់លោកអាចផ្ដល់ជាទេហោះខ្លះៗបានទេឯកសារដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបន្តបន្តគឺវាមានលម្អិតក្នុងខ្លឹមសារដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខ្លឹមសាររួមគឺថាសម្រុកបង្កមកការផលអបឋមខ្លួន នៅវ័យអនុវត្តនយោបាយឯករាជ្យម្ចាស់ការខ្លួនទីពឹងខ្លួននឹងជាខ្លឹមសារហើយការចងចាំខ្ញុំចងចាំអញ្ចឹងចងចាំថានឹងហើយដែលខ្លឹមសារដែលខ្ញុំបានអានដែលបានទទួលហើយយកទៅអប់រំឯឃោសនាអប់រំប្របែកមិនទៅហៅតបង្កើនផល មិនទៅហៅថាអបឋមខ្លួនមិនទៅហៅថាឯករាជ្យម្ចាស់ការហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទហើយពិចារណាដែរមុននឹងទៅឃោសនាបើមិនពិចារណាទៅយកទៅនិយាយអីក៏វាមិនចេញដែរបាទទៅពន្យល់ព្រោះធម្មតាប្រជាជនយល់បានតិចណា Vous étiez tout de même un cadre assez important au sein de la zone ouest en tant que chargé de la propagande dans le secteur 32. En tant que cadre, est-ce que vous avez eu connaissance des statuts du Parti communiste du Kampuchea? លក្ខន្តិកៈបៈនឹងគេផ្សាយផ្ទៃក្នុងគេមិនផ្សាយចំហហើយបៈនឹងគេមានឋានៈបៈកម្រិតណាអីកម្រិតណាដូច្នោះមិនមែនយកលក្ខន្តិកៈទាំងមូលអីមកផ្សព្វផ្សាយទេគេដកស្រង់តាមឋានៈតាមជាន់ហើយកម្រិតឋានៈរបស់កម្មវិបាលក៏មានកម្រិតដូច្នេះខ្ញុំស្គាល់តែត្រួសត្រួសទេ ก่อนน่ะខ្ញុំចាំបានខ្លះគឺថាការងារគេគេដឹងការងារយើងយើងដឹងមិនអាចទៅច្របសួររឿងនេះរឿងនោះបានទេទី2ឆ្នាក់ក្រមគោរពឆ្នាក់លើបាទដែលខ្ញុំចាំប៉ុណ្ណឹងបាទ Monsieur le Président, je voudrais, avec l'autorisation de la Chambre, montrer au témoin une version en khmer des statuts du parti, qui est le document
E3/130 et aussi D366/7.1.187. Je vous demanderai également qu'on puisse faire afficher à l'écran, et quand ce sera fait, je pourrai dire à quelle page exactement. Merci, Monsieur le Président. Oui, alors, c'est E3/130. Ainsi que D366/7.1.187. Est-ce que je peux soumettre alors le document physiquement par l'intermédiaire du cédonnance? Je vais laisser quelques instants à M. le témoin pour regarder ce document. Si le témoin pouvait regarder spécialement les 30 articles qui comportent ces statuts à partir de la page 0044-2257 en Khmer. Ces 30 articles sont précédés d'une introduction qui concerne les principes et lignes politiques fondamentales du parti dans la nouvelle ère de la révolution socialiste. Monsieur le témoin, est-ce que tout à l'heure, quand vous avez parlé du fait que vous étiez au courant de l'existence de ces statuts, qu'ils étaient publiés en interne et que vous aviez eu accès à certaines parties de ces statuts, est-ce que vous reconnaissez le document qui vous a été présenté comme constituant les statuts du parti? ជារូបភាពនិងខ្លឹមសារខ្លះៗដែលខ្ញុំបានដឹងបានទទួលសបផ្សាយអប់រំមកលើកបកជននឹងខ្ញុំឃើញថាជាការប៉ុណ្ណេះបាទតែមិនបានយល់ទាំងអស់ទេឃើញតែត្រួសត្រាសនេះបាទ Nous allons, si vous le voulez bien, examiner quelques points que vous aurez alors le temps de lire plus avant. Il y a tout d'abord
à la page en Khmer 0044 22 53 jusqu'à 54. Il s'agit là du point 2 qui figure sur cette page. En français, 00 29 29 16, et en anglais 00 18 40 24. Il s'agit d'une page où figure le titre « Principes et lignes politiques fondamentales du parti dans la nouvelle ère de la révolution socialiste et de construction du socialisme ». Alors, à la fin du point 2, sur cette page, il est dit « Le parti représente l'intérêt de la classe ouvrière et paysanne et également celui de la nation Khmer tout entière. » Fin de citation. S'il n'y avait, selon le parti, que des ouvriers et des paysans, quelle place était donnée aux personnes qu'on considérait sous le régime comme des capitalistes, des bourgeois, des féodaux, des propriétaires terriens ou des impérialistes? Est-ce que ces personnes-là pouvaient rentrer dans le parti? Đáp tới khơi nhờ ca sở xe ca sọp xa anh chân tại đây lúc xuống nhóm tha tá công lăng là tây tiết túc chỉ dàng bệnh vĩnh nhóm mình vô đá nhóm vô đá đôi nhóm bàn chùm riệp chôn trong ca tại nhóm khô xa nào ổng rống khi ta công lăng chiết tổng mù tăng phỉ lơ lỗ đọc rong hay là hốt phiền nốt miên tăng Bram hạc sát phóng, châu rùm bàn đáy, nhóm có rịch rí ọp ọ xa tố từ tâm năng tử. Tại đó miền ca chênh, không tây, không chấn, không mình vô lại, ở vô lệ và nâng. D'accord. Alors, sur le point 3, exactement à la même page, je crois dans toutes les langues, il est dit ceci. Dans ce contexte stratégique, le Parti communiste du Kampuchea doit défendre les résultats de la révolution, défendre le pays correctement, ainsi que les travaux de l'édification du pays correctement. Donc c'est à la fin du... C'est au deuxième paragraphe, en dessous du point 3. Alors il y a ici deux principes qui ont été énoncés dans les statuts. Défendre la révolution d'une part et le pays, et édifier le pays. Alors tout d'abord, savez-vous contre qui il fallait défendre le pays et la révolution? Qui constituait une menace pour la révolution? Donc,
Nhóm vô là tam cô ca chắc ta đây lắm. Cô ca chắc nhóm vô là thà quay chắc ở bọn. Hãy lực tôi chi phiếp và chế chốn. Hãy ca phiếp bộ rạp phiếp đến đây. Nhóm vô là bàn bàn năng bạc. Ai quên chẳng ai được tiết. Mình vô là est-ce que, alors s'agissant de cette défense toujours de la révolution, est-ce qu'il y avait des ennemis extérieurs ou des ennemis intérieurs également? Parce que là, vous parlez d'impérialistes, est-ce que c'était des forces extérieures ou c'était également des forces qui pouvaient se cacher au sein du parti et au sein du pays? Cầm lăng để nhom quạt thùng con mảnh những thứ nhom thùng đau tại cầm lăng để to su chụp mũi kia vay chụp mũi kia phải không đóng miên chụp non đóng miên hàng lớn nốt anh đang hàng amrit vì thế nhom vô vấn năng dân mấy tiết màu tàm khói mà tiết cho mình vô lại đây. Alors, on va aller plus loin au point 6, toujours dans, sous le même titre. Et en Khmer, c'est la page qui suit, 0044-22-55. En français, 00-29-29-17. Et en anglais, 00-18-40-25. Donc c'est le point 6 et c'est la deuxième paragraphe dans ce point 6 que je vais lire. Il est dit ceci. Le parti doit protéger la révolution au maximum de toute action, des stratagèmes des ennemis, de manière directe, indirecte, ouverte et secrète, visant à détruire le parti par tous les moyens. Tous les organes en quart, et les membres du parti doivent être bons, propres, purs, en politique, en mentalité et en commandement, en permanence, à travers leur biographie propre, pure, tout le long, continuellement. Fin de citation. Si vous remontez un tout petit peu plus haut dans le premier paragraphe de ce point 6, il est dit, le parti a été créé suivant le principe du centralisme démocratique. Il est dit ensuite, le parti a une discipline sévère, unique, et un peu plus loin, le parti lutte absolument contre l'abus de la discipline en cas. Alors, première question. Est-ce que vous aussi, vous parliez de cette discipline du parti aux masses lorsque vous les endoctriniez ou lorsque vous essayez de les convaincre de soutenir le mouvement révolutionnaire et de soutenir le parti. សំណួរលោកអ្វីមិញនេះគឺវាតេតិនដល់ការងារផ្ទៃក្នុងនិងការងារមហាជនទី1អ្វីមិញនេះជាការងារផ្ទៃក្នុងរបស់បកដូច្នោះខ្ញុំក្តីអ្នកដតីទៀតក្តីថ្នាក់ក្រោមមិនអាចដឹងទេមិនអាចយល់ទេតើប្រជាធិបតេយ្យ រៀបចំចាត់តាំងបកយ៉ាងម៉េចសមត្ថភាព
ກໍປະຕິຂ້ອຍຕຶມດາເລບັດຊະນັ້ນຍໍອີ່ຈະມູນຖານໄວ້ឆ្លើយໃນໂລກມັນ Et que disiez-vous alors aux masses concernant la discipline qui devait être observée? En quoi consistait cette discipline? Est-ce qu'au niveau de la moralité, est-ce que les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient? Ou bien y avait-il aussi des directives qui étaient données au niveau des conduites morales des gens, soit qui étaient membres du parti, soit des masses? Oui, la question était de savoir, dans le cadre de la discipline qu'il fallait respecter, est-ce qu'il fallait avoir une bonne conduite morale ou était-il autorisé d'en avoir une qui pouvait être considérée comme moins bonne? ສົມឆ្លើយបញ្ជាក់សិលធម៌ដែលគេចែងក្នុងពេលនោះគឺចែងថាកុំលួចហើយកុំខិលខូចខុសប្រពៃណីមានការអីស្នើយោបល់មកតាមឋានៈតាមឋានៈឲ្យដោះស្រាយពុំមាន ប៉ះពាល់អីប្រជាជនត្រូវសុំទោសនឹងដែលខ្ញុំចាំមកទេសមួយផ្លែបើទៅបេះប៉ាត់ប្រជាជនមិនបានសុំគឺខុសហើយម្ចាស់មិននៅក៏ត្រូវសុំហើយបើចាំបាច់កាលនោះមិនមានលុយកាក់ទេតែត្រូវសុំសុំទោស D'accord. Alors, toujours dans le cadre de cette discipline, est-ce que, par exemple,
assister à des réunions de cellules était obligatoire, et notamment les réunions quotidiennes et les assemblées. Ce qui était obligatoire pour les membres d'assister aux réunions de leurs cellules. ជាធម្មតាគេកំណត់ពេលវេលាប្រហែលថ្ងៃជួបជុំគ្នាម្ដងអានឹងត្រូវតែមានមុខមកប្រជុំតែមិនមានធុរៈក៏គេមិនបង្ខំដែរធុរៈប្រពន្ធកើតកូនធុរៈជិះស្គន់ធុរៈអីអីក៏អត់មានការបង្ខំថាដាច់ខាតត្រូវតែមករីនេះតាមខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលការចូលរួមគឺមានគឺសភាពការនឹងគឺអញ្ចឹងបាទ Dans l'extrait que j'ai lu, on parle aussi de biographie propre, pure, tout le long, continuellement. Qui était considéré sous le régime du Cambodge démocratique comme ayant une biographie pure? De quoi parlait-on quand on parlait de biographie pure? ឆ្លើយនេះឆ្លើយតាមការយល់របស់ខ្ញុំតាមការចំណាំរបស់ខ្ញុំមិនសន្និដ្ឋានថាឆ្លើយបានត្រូវ 100% ទេគេហៅស្អាតស្អំនោះគឺបានន័យថាយើងមិនខូចខិលទី 1 ទី 2 យើងសបផ្សាយអីទទួលខ្លឹមសារដែលឲ្យយកទៅសបផ្សាយនេះយើងសបផ្សាយអស់ Dương mình bắt băng ấy nâng chân xa xóm xa xóm mùi tiết dương tẹt tông và sài tẹt tông ấy ấy ca trúc trông ấy ấy chia dùm phê ra ấy ấy chai chai ôi phải chia chôn mà hai chôn cứ đôi tam cô ca gặp nọt đôi chân này cái hào xa xóm hơi bạc Est-ce que, quand on parle de biographie pure et propre, est-ce que cela peut avoir également est-ce que cela peut vouloir dire également que la personne vienne d'une certaine classe sociale dans le milieu paysan, par exemple? Est-ce que cela a à voir avec la pureté de la biographie de provenir de tel ou tel endroit et d'avoir, par exemple, des parents qui seraient paysans? នឹងស្អាតស្អំមួយហើយស្អាតស្អំពីរយើងមិនថិតក្នុងសភាពជាប្រវត្តិធ្វើចោលឯងនឹងស្អាតស្អំមួយហើយស្អាតស្អំពីរយើងមិនថិតក្នុងសភាពដែលជាអ្នកកេងប្រវ័ញ្ចគេឯងក្នុងសង្គមហើយក្រៅពីនោះទៀតមិនមែនជាអ្នកប៉ែឡោផឹកស៊ីអវ៉ាសែនឹងគេហៅស្អាតស្អំដូច្នេះមិនមែនខ្ញុំយល់ទេគឺថាមិនមែនសំដៅថាមកពីណាពីណីទេ គេមើលអញ្ចឹងមើលអតីតកាលនឹងអញ្ចឹងហើយមកបច្ចុប្បន្នកាលថ្ងៃដែលគេកំណត់ថាល្មមគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិគេមើលពេលហ្នឹងហើយក៏មិនមែនបុគ្គលមើលដែរប្រជាជនមហាជនសាខាគេវិនិច្ឆ័យគុនគេ
nâng xong chlai chun mà nâng bạc. Merci, je viens. J'en viens maintenant à deux derniers articles. Le premier, c'est l'article 1. Sous le chapitre 1, membres du parti. Alors, c'est la page en Khmer 00442257. En français, 00292919. Et en anglais, 00184027. Je vais vous laisser le temps de trouver le passage qui nous intéresse. Il s'agit de dans l'article 1. Du premier titre qui s'appelle « Première condition ». Donc l'article 1 a trait aux qualifications d'admission au parti. Première condition, et je vais prendre le point B et C. Les points B et C. Alors le point B. Le statut dit ceci, doit être issu d'une bonne classe, de la classe originelle, et en particulier de la classe ouvrière du parti, à l'intérieur de laquelle on s'est efforcé de s'édifier au fur et à mesure au sein du mouvement révolutionnaire sous la direction du parti. Alors j'en viens encore à cette question, qu'est-ce qu'une bonne classe et qu'est-ce que la classe originelle selon le parti. ในคลัมซานี่คือគេសំដៅថាវណ្ណៈភាពល្អហ្នឹងគឺបានន័យថាគ្មានជាពៈវៈវិនវារឿងកេងប្រវាញ់វារឿងអីអីទាំងអស់ហើយវណ្ណៈហ្នឹងមិនសូវមានកម្មសិទ្ធិអីទេវាច្រើនមិនមានកម្មសិទ្ធិអីទេនឹងខ្ញុំយល់បានប៉ុណ្្នឹងហើយទី 2 តោះសាងបានល្អបន្តបន្តបានន័យថាមកពីខាងណាខាងណីក៏ដោយតែដល់មករួមជាមួយនឹងក៏កសាងខ្លួនទៅបានល្អបាទយល់បានប៉ុណ្្នឹងទេបាទ Alors le point C dit ceci. Doit posséder une conduite morale, bonne, propre, en politique, et sans rapport aucun avec les ennemis. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'avoir des rapports avec... Ah, peut-être je vais trop vite. Donc c'est toujours sur la même page, c'est le point qui suit, le point C. Donc, est-ce qu'avoir des rapports avec des ennemis pouvait changer une biographie pure ou une bonne conduite morale en une biographie impure ou une mauvaise conduite morale? គឺប្រវត្តិរូបស្អាតស្អំមិនមានពីខ្ញុំឆ្លើយរួចហើយគឺថាមួយស្អាតស្អំដោយខ្លួនគេមានប្រវត្តិគេល្អមកស្រេចនេះខ្ញុំយល់តែទីពីរគេពីមុនមានប្រវត្តិមិនស្អាតស្អំដែរមិនសូវល្អដែរតែគេចូលមកប្រឡូកជាមួយគេជាមួយឯងទៅ ឃើញថាល្អគេខំតសាងគេខ្លួនគេបានល្អក៏គេរាប់ថាល្អដែរបាទនឹងប៉ុណ្្នឹងបាទ
D'accord. Alors, dernier extrait, c'est dans l'article 2 des statuts qui s'appelle « Devoir du membre du parti ». Il y a une section 2 qui s'appelle « Obligation interne ». Et je vais lire le point E qui se trouve à la page en Khmer 0044-22-61. En français, 00-29-29-22 et en anglais, 00-18-40-32. Donc c'est le point E qui parle du secret du parti. Et il est dit ceci, dans les obligations internes toujours, point E, s'efforcer de garder le secret du parti, absolument, avec une vigilance révolutionnaire haute en permanence. Est-ce qu'en tant que membre du parti, en tant que cadre du parti, vous avez-t-on formé et vous avez-t-on expliqué que vous deviez absolument, vous aviez absolument le devoir de garder le secret du parti? Est-ce qu'il n'y a jamais eu, monsieur le témoin, des situations où vous avez eu peur, en quelque sorte, de violer ce devoir de secret absolu? Est-ce que les membres du parti avaient cette peur de dire quelque chose qui ne serait pas en réalité public, mais qui relevait du secret absolu? ว่าธรรมดานั้นว่าคือយើងមានតួនាទីហើយយើងមានក្របខណ្ឌដូច្នេះបើយើងមានតួនាទីកម្រិតណាហើយយើងនិយាយហួសក្របខណ្ឌយើងចេះតែគិតដែរព្រោះក្នុងឋានៈដែលយើងមិនអាចរំលោភពីលក្ខខណ្ឌបានបាទឆ្លើយមិនដឹងបាទ Est-ce que ce devoir de secret absolu était tellement fort, tellement ancré dans la philosophie Khmer Rouge que même aujourd'hui, c'est encore difficile pour vous de ne pas faire en sorte de le conserver? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez encore quelque part lié par ce secret absolu? ខ្ញុំជម្រាបជូនបាទមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានគំនាបភាពអីទៀតទេពីព្រោះខ្ញុំស្ថិតក្នុងសភាពដែលចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំក៏ចូលជា
ខ្ញុំសូមគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកបកប្រជាជនចូលការរួមការងារជាមួយគណៈបកប្រជាជនដូច្នោះអត់មានអារម្មណ៍នឹងទៀតទេបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំស្ថិតក្នុងសភាពធំទូលាយធំទូលាយហើយបាទ Je vais maintenant aborder une question concernant les réunions auxquelles vous avez participé dans la zone ouest, et d'abord au niveau local, dans le secteur 15 et ensuite le secteur 32. Quelle était votre cellule à vous, sachant que des réunions de cellules devaient se tenir? Comment s'appelait votre cellule et où était-elle située? មន្ទីរដែលខ្ញុំចូលរួមម្ដងម្កាលជាមួយនឹងការប្រជុំបើកទលាញហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺគេហៅចំការដូងហើយមន្ទីរដែលខ្ញុំប្រជុំចូលរួមជាមួយសាខាហ្នឹងខ្ញុំនៅម្ដង Et votre cellule, est-ce que c'est à regrouper, disons, une entité géographique ou bien c'était la cellule de la propagande et de l'endoctrinement? សំបញ្ជាក់ជូនសាខាដែលខ្ញុំធ្វើការនោះវាមិនតាន់មានអីជាមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះចេញពីសង្គ្រាមភ្លាមៗហ្នឹងបង្កើននៅក្នុងសង្គ្រាមវាគ្រាន់តែបោះទីតាំងដូចជាដំបូលកៅស៊ូឬក៏ខ្ទមអីពីស្បូវហើយសម្ចតហើយធ្វើទៅតែដល់ក្រោយសង្គ្រាមចប់ភ្លាមៗក៏គ្មានអីជាមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែរបាទមានតែកំណត់ថាតាំងនេះ D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez participé régulièrement à des réunions de critique et autocritique, ou ce qu'on pourrait appeler des réunions d'introspection? Et si oui, à quel niveau avez-vous participé à ce type de réunion? Est-ce que c'était à la cellule ou plus haut que ça? ថាទីទៀនស្វ័យទីទៀននោះគេប្រជុំតាមសាខាហើយហៅថាប្រជុំទីទៀនស្វ័យទីទៀនហ្នឹងគឺខ្លួនយើងស្វ័យមើលខ្លួនយើងថាយើងត្រូវអីយើងខុសអីមូលហេតុមកពីអីហើយយើងកែប្រែយ៉ាងបីតទៅទៀតរួចហើយ គេដែលនៅស្ដាប់យើងនោះគេជួយមកយើងទៅហើយយើងយកមតិគេនឹងទៅកែលម្អខ្លួនយើងទៅឯកែបានតិចបានច្រើនអានោះនៅលើបុគ្គលទៀតតែគេធ្វើអញ្ចឹងបាទ
Est-ce que ces réunions faisaient l'objet de comptes rendus? Est-ce que ces comptes rendus étaient transmis à l'échelon immédiatement supérieur? Est-ce que vous pourriez répéter la première partie de votre réponse parce qu'on n'a pas reçu l'interprétation? Donc, ce qu'on a entendu, c'est que le président de réunion faisait rapport sur ce que les gens avaient dit lors de la réunion. Mais est-ce que vous avez dit autre chose que j'ai raté avant ça? ហើយក៏ដូចលោកស្ដាប់បានអមិញមិញដែរគឺថាគេធ្វើរៀបការហ្នឹងគេបោកសរុបអំពីលទ្ធផលនៃការប្រជុំថាការប្រជុំនេះពិនិត្យឃើញចំណុចល្អអញ្ចេះចំណុចល្អមិនល្អអញ្ចេះហើយមូលហេតុមកពីអញ្ចេះ ទិដ្ឋដោះស្រាយតទៅមុខទៀតគឺអញ្ចេះហើយគេសរសេរជាក្រុមសារហ្នឹងទៅគេជូនទៅតាមថ្នាក់ទៅលើទៅវត្តនឹងមានប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំជម្រាបជូនមិញបាទ Est-ce que c'était des réunions, ces réunions de critique et d'autocritique, est-ce que c'était des réunions qui étaient parfois redoutées par les participants du fait qu'ils devaient se faire critiquer par les autres? ហើយយើងស្មោះស្ម័គ្រថាយើងស្នេហាជាតិហើយហើយយើងស្មោះស្ម័គ្រថាយើងខំធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកបម្រើប្រជាជនបានល្អអានឹងវាទៅតែធ្វើអញ្ចឹងឯការភ័យខ្លាចទៅលោកសួរធម្មតាទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែកណ្ដាលមានចំណុចខ្សោយវាព្រួយដែរគេលើកចំណុចខ្សោយមក តែងតែព្រួយដែរមិនមែនជាការភ័យខ្លាចទេព្រួយថាយើងបានធ្វើខុសពីការដែលយើងចង់បានល្អនោះហ្នឹងវាមានមែនបាទ Est-ce qu'il vous est arrivé, monsieur le témoin, d'être inquiet lorsque vous aviez travaillé dans la zone ouest, notamment du fait des critiques qui étaient émises contre vous à l'occasion? Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers où vous avez eu cette crainte qui s'est manifestée? ខ្ញុំនៅតែនិមន្តដល់ប្រាំហើយពីរិគុណបាទអ្នកបកប្រែសុំកែប្រែមិញតាមពិតជាភូមិភាគបច្ចឹមបាទសុំទោសបាទព្រួយបារម្ភត្រឹមថាផែនការដាក់មកហើយយើងសម្រេចបានឬមិនបានអាមាថាត្រូវអប់រំរយៈពេលប៉ុណ្ណេះឲ្យចប់ ហើយកែលម្អការជំរុញបង្កបង្កើនផលឲ្យបានហូបគ្រប់នឹងព្រួយបារម្ភដែរបាទ
Est-ce que, monsieur le témoin, vous avez aussi participé à des réunions de biographie, soit au sein de la cellule ou au sein du secteur 32? Est-ce que vous auriez participé soit dans la cellule ou au sein du secteur 15 ou du secteur 32 par la suite à des réunions de biographie, c'est-à-dire des réunions où on vous aurait demandé de rédiger votre biographie à chacun? ដំណើរសាប្រញ្ញាអរគុណសាក់សីឥឡូវនេះកិច្ចដំណើរការសាប្រញ្ញាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់ពេលសមរម្យនឹងសម្រាប់ហើយខ្ញុំរំលឹកប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសាប្រញ្ញាសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសាប្រញ្ញាលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកទី20 9ខែឧសភាឆ្នាំ2012ចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកសាប្រញ្ញាកាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំចម្រាស់នឹងបន្តស្ដាប់ទៅខែកម្មសាក់សីនីកនដែលនឹងបន្តតាំងទំនួលដេញដោលដ